la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Dégage. Tu vis avec un dragon dans toi. Tu es comme un varan. Dégage. Des minutes qui suivent. La puissance. Elle n'est pas sorcière, il faut que j'explique ça aux gens. Parce que les gens ont commencé à... Non. Ils lui ont mis un esprit en elle. Qui vit en elle. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. J'aurai l'occasion d'expliquer, elle n'est pas sorcière. Mais il y a un esprit qu'on a introduit en elle, qui vit en elle. Par contre, il y a des esprits aussi. Là, il y a des sorciers qui peuvent venir s'incarner en vous pour quelques heures pour répartir. Et vous rencontrez des bêtises. Et puis après, j'ai le témoignage d'un monsieur, on dit qu'il est venu de l'Afrique. Il a pris la raquette de baseball. Il a tué sa femme. Il a tué tout le monde de la maison. La police vient et dit, c'est pas. À votre avis, qui a fait ça? On veut découvrir un enfant. Abidjan, ça fait maintenant 2 semaines. Au plateau de Cuy. Il quitte Dieu pour bon. Il va vivre avec ses soeurs. Et la nuit, il prend même un pilon. Il en sort sa soeur de 17 ans. Pendant qu'elle dormait. Également une autre de sa cousine, 14 ans. Les gens, les enfants. Il disparaît. Il revient après sur les lieux. On lui demande, il dit, c'est la sorcellerie. Et les gens, d'ailleurs, pas ça comme à la maison, c'est quelque chose de l'héritage, tu dis les gens, mais c'est la sorcellerie. Nous sommes habitués à ça. C'est ce que nous entendons chaque jour. Être dans mes genoux, sommet avec un pilon, on a l'habitude d'entendre ça. Ne banalisez pas les choses. Quelqu'un qui est normal ne peut pas aller tuer personne. Écoutez. Vous devez comprendre. Chez les blancs, on dit non, faut qu'on. Est-ce qu'il n'est pas mentalement. Il faut une thérapie. Écoutez, il est sorcier. Arrêtez à faire des thérapies. C'est un démon qui est en lui. Vous ne croyez pas ça? Ah non, c'est pas mystique. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il a poussé à faire. Et après ça, il s'en rend compte qu'il vient de faire une bêtise. C'est la sorcellerie. Il a été poussé par un esprit. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Faire. Vous devez prier chaque jour pour ne pas que vos cœurs soient manipulés par le diable. Prie pour le cœur de ton mari, prie pour le cœur de ta femme. Allez, moi, tu ne connais plus ta femme, mets ton genou. Parce qu'il y a un esprit qui commence à l'influencer. Tu ne connais plus ton mari, mets ton genou. Parce qu'il y a un esprit le influence. Ne te mets pas dans le jeu parce que l'objectif, c'est de vous séparer. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. C'est très important de savoir c'est le diable ou c'est pas le diable. C'est pas le diable. Lui-même en train de faire des bêtises. Mais c'est le diable qui peut pousser une personne à faire des bêtises. On m'a bien saisi. La puissance de Dieu. Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Sa puissance te libère maintenant. Je sens que la chose en train de marcher est en train de progresser. Jésus-Christ veut te délivrer maintenant. Tu sentiras l'envie de rendre. Ça sera ta délivrance. La puissance de Dieu. Puissant de Jésus.
et votre onction touche. Il touche. Amène-toi, toi, oui.
Lâche-la. Tu vas la libérer. Si. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas libérer sa vie. Tu m'entends? Tu vas dégager. Allez, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te délivre. La puissance de Dieu. Soyez vigilants, les esprits vont se manifester comme ça. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Il y a une onction qui est dans la salle. Voilà, lâche-la. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà. Attends. Dans le nom de Jésus. Allez.
Saint-Esprit. Va. Tu pars. Tu pars. Lâche. 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 Allez. Jésus t'a vaincu. Elle ne sera plus ton esclave. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Lâche-la. C'est un homme. Quitte sa vie. Moins de bruit, s'il vous plaît. Lâche-la. Lâche-la. La puissance de Dieu. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant. Quitte ses pieds. 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 Je ne vais pas prier ça. Pourquoi ne veux pas de nous? Oui, 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 non, je ne veux pas prier ça. Il est venu aider les gens, il était là-bas, il a quand même abusé. Oui, c'est pour aider les gens. Tout le monde a bien des choses, mais comment vous dénigrez ça? Voilà, non. Et gagnez, comment vous dénigrez? Viens. Viens. Viens, 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 viens.
dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu fait briser les chaînes. Les chaînes, la puissance du sang de Dieu, tu te guéris maintenant. La comme je la puissance de la confesse. Continue de chanter. Il est sans limite en bas, il est Seigneur. Je suis pour Dieu, pour Jésus. Thank you.
Thank you.
délivrer. Quand ils ne sont pas délivrés, ce sera difficile. Et depuis le village, sa vie a été consacrée aux démons. Et l'Esprit sait qu'elle est dans un endroit où elle ne doit pas être. Mais écoutez, elle est contrôlée par un démon, mais elle a une volonté. C'est ça qui l'a amené à être ici. Vous dites, il faut aussi que tu fasses des efforts. Elle dit quoi? Tu dis que c'est sa femme? C'est ta femme? C'est ça? Elle est ta femme. Hein? Donc, de moi-même, là, il se marie. Donc, quand laisser nos choses là, regarde, laissez nos choses, nous, on se marie. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas nous déranger. Ou une belle femme, elle est possédée. Elle est la belle. Hé, hey, tu es jolie, hein? Ok. Je vais te marier, je suis d'accord. Le diable lance au roquet dans sa bouche. Franchement, vous êtes nos mamans, vous êtes bien. Mais quand la bouche armée, vous devenez russe. My God. Vous n'avez pas ça là. Non, ça, rien. Quand vous touchez, vous tournez. Mais ça. Ça veut dire fumigation dans le monde. Elle m'appelle, papa, mon mari a fui. Il a quitté la maison. Elle est chère. Le monsieur a fui. Ce qu'elle a dit au monsieur. Vous préférez partir. S'il veut, il veut répondre. Hein? C'est la mort quand même. Vous la pardonnez. Si vous voulez vous marier, il faut que la bouche soit des amis. Si cette bouche-là, elle est armée, garçon, quand il n'y a pas. Vous voyez, Seigneur, vous voyez, les garçons, mes filles. Si c'est là, on dit fille, ma fille. Fait des pédicures, monsieur, des manicures. Et le monsieur doit toujours dire à sa femme, je t'aime. C'est le plus meilleur parmi cet amour. Tous les matins. Je t'aime. Ça, c'est la requête. On se marie parce qu'on a rencontré l'amour. On m'a bien compris. Amen. Non, il est belle. C'est important aussi. Hein. Mais oui. Vous n'êtes pas allé. Tout cela c'est important aussi, le petit design. Mais quand tu vas dans une boutique, c'est Jésus que tu aimes là que tu prends. Fais les ténèbres et délire, c'est ton grâce sur ton cœur, Jésus. Amen. Ne dis pas mon Seigneur, faut envoyer seulement. Hein? Non, moi le Seigneur va envoyer seulement. Pour donner ce que mon cœur peut prendre. Mais quand il voit, il connaît. Ah, qu'est-ce que ça? Chacun connaît son goût. Amen. Amen. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Hey, monsieur, c'est pas... Aidez nous aide. Si vous voulez vous marier, désarmez la bouche. Une femme très douce transforme son mari. Une femme très douce transforme son mari. C'est la femme qui fait l'homme. À 93%. 93%. Vous êtes ici, bien isolé. Il est où le papa des enfants? Le papa est isolé aussi. Il est où le père? Bien isolé. Arrêtez vos histoires. Hein. Vous voulez bouffer l'argent des blancs? Et si c'est pas bon? Vous voulez bouffer les enfants, les blancs, ils ne sont pas dedans. C'est vous seulement, mais isolé. Le social. Mais tu vas progresser comment? Parce que le principe de Dieu pour te bénir, c'est le travail.
Et toi, tu ne veux pas travailler. Tu n'attends ton tout de l'État. Tu seras pauvre. Écoutez-moi, c'est très, très bien. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Intégrez-vous. Intégrez-vous. Le principe pour être béni sur le travail. Si tu es assis, quand tu donnes ce du social, tu vas réconcilier. On m'a bien saisi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Ça va? Ça va. Faut te désarmer, tu vois. Pistolet qui est là, la lèvre. Vous roquez. MI24, prends ça en main, jette ça à côté là-bas. Parce que pour moi, MI24, c'est l'air. Quand ça c'est l'air, là, ça promène la maison. Le monsieur, le bénéfice, que nous, c'est des amis pour venir. La femme doit bien souvent son homme. L'homme doit être en fond. C'est-à-dire, il est riche. Et l'homme doit se battre pour sa famille. Il faut travailler. Aïe, 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 ça, je perds ça. Il faut travailler. Travailler pour le nouveau famille. Je ne peux pas toujours prendre la carte bleue, carte bleue, carte bleue. Tiens, ça va être impossible. Voilà, lâche-la, on va partir. Voilà. Il est en train de divorcer sa femme. Ben oui. Ouais, non, 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 tu la lâches au nom de Jésus. Si, 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 Jésus est plus puissant que toi. Jésus est plus puissant que toi. Tu ne peux pas résister à cette action de Dieu de délivrance. C'est Dieu qui a décidé de la délivrer. Donc tu quittes son corps. Si, au nom de Jésus, lâche-la. Tu vas partir. Si. 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 Il a. C'est là. Tu ne peux pas résister. J'aime quand tu me regardes comme ça. C'est toi qui as tête depuis. On te soulève, tu as tête et tu mets l'œil comme ça. Tu vas partir. Je prononce le divorce. Tout pacte, alliance scellée avec ce corps et cette vie est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Si je brise le pacte. Non, Jésus. J'oublie sa naissance. Ce qui a été fait. Qui était maintenant encore dans ce corps et dans sa vie est brisé au nom de Jésus. Tu m'as quitté. Je n'ai jamais vu un démon résister à ce nom de Jésus-Christ. Et toi, tu iras au nom de Jésus. Si tu iras au nom de Jésus. Oui, tu iras au nom de Jésus. Si, sors de sa vie. Va-t'en. C'est un ordre. Si, c'est un ordre. Si, tu vas partir. Et libérer. Si, tu vas partir. Tu n'es rien face à la puissance de Jésus-Christ. Tu m'attends? Tu n'es rien face à la puissance de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. La puissance de Jésus-Christ te déloge maintenant. La puissance de Dieu te déloge. Lâche-la. Lâche-la. Va. Voilà, va-t'en. Quitte son corps. Quitte son corps. Parti.
Non, ne vis pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Vous devez la soutenir dans le cœur et dire au Seigneur, j'aimerais qu'elle soit délivrée. Qu'elle ne se moque. Elle est sous le contrôle d'un esprit. Ça ne doit pas vous faire marrer. La puissance de Dieu. Je dois quitter son corps. Je dois quitter son corps. Elle dit, c'est blanc. C'est blanc. Quand c'est français, il va arrêter. Je vais partir. Jésus te délivre. Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Commencez à mettre les scellés de la félicité. Déposez tout ce qui est scellé. Ça tout est voilà. On en va descendre en fait. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu est en train de la libérer. Jésus-Christ, en train de faire une action très forte dans sa vie. L'esprit en train de la libérer. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes mystiques. Les chaînes mystiques. Les chaînes mystiques sont en train de tomber. Un travail spirituel que la puissance de Dieu est en train de faire dans son ventre maintenant. La puissance de Dieu est en train de faire dans tout son corps. Toutes ses semences dans le rein. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu en train de te délivrer. La puissance de Dieu. Reste pas, le visage. Toi, tu es un cadre. Tu es un cadre. Le visage. Tu es un cadre. Où est-ce que tu as peur? La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance. C'est le monde entier qui est en train de suivre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ouais. Voilà. Vous voyez que les chaînes sont tombées. Voilà la chaîne. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà. J'ai un esprit de python. Au Bénin.
Il y a cet esprit-là, le serpent. C'est une alliance que les parents ont tissée. Mais c'est ça, le problème que les parents font à nous. Voilà. Stéphane, il faut bouger. Tant que c'est la face. Oui, Jésus-Christ te libère. Jésus te délivre. Jésus, voilà, je te délivre. Jésus, tu libères. Jésus, tu libères. Jésus, tu libères. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance. Le feu. Jésus te délivre. 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 Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Oh! Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Voilà, va-t'en. Va. 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 Mets ça dans ta poche. La puissance de Dieu. Voilà, quitte sa vie. Quitte sa vie. Maintenant, c'est la sirène. Voilà. Maintenant, c'est la sirène. Donc, un esprit, tous les parties sont en train d'être brisées. L'alliance est en train d'être brisée. Avec le nom. Avec le nom. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Dieu te libère. Voilà. Le serpent piton. Le serpent. Le serpent. Jésus te délivre. Voilà. C'est qui là-bas? Elle a souffert. Je la vois les jolies, ah, madame. Un conseiller. Amen. La vie, Jésus t'a délivré. Amen. Voilà. Jésus t'a délivré. Amen. C'est fini. Lève-toi. 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 Lève-toi, lève-toi. Ma peau, y'a ton peau, y'a ton peau, y'a ton peau, y'a ton Oh,
Vous venez de Londres. Ah, super. Hein? Les apôtres sont. Vous êtes en avion ou en voiture? En avion. Bienvenue ce matin. Nous sommes venus de Londres. Jésus-Christ vient de délivrer Canada. On va essayer de prier que la puissance de Dieu, que la puissance de Jésus, que la puissance de Jésus vous bénisse. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Je vois un peu ta souffrance parce que tu avais épousé la femme d'un esprit, de quelqu'un. Très bien. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous pouvez expliquer un peu. Vraiment, c'était la galère. Mais je me suis dit que si tu es le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, je confie tout en toi. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Amen. Je vous remercie. Elle a toujours souffert. Actuellement, elle ne travaille pas. C'est moi seulement qui travaille. Je fais tout, je reviens du travail. Je veille sur les enfants. Parfois, elle n'allait pas se lever. Je l'ai. Oui. Des douleurs. Des douleurs un peu partout. La nuit, il y a toujours des batailles avec. La bataille avec les esprits. Avec les esprits, oui. Sorcellerie, tout. Tout est mélangé. Et maintenant, comment tu te sens? Hein? Très bien. J'aime bien l'expression, ça va bien. Ça va maintenant? Tu sens que les douleurs ont disparu. Est-ce qu'on n'a pas acclamé le Seigneur? C'est ma carte de visite. Voilà, c'est ma carte de visite. On aura l'occasion. J'ai mon mail. Je mets tous mes téléphones privés et tout ça, on aura l'occasion de correspondre. On fait un suivi, c'est important. Voilà, pour vous orienter, de temps en temps, priez pour vous orienter. Voilà, que Dieu vous fortifie. On aura tout à l'heure une rencontre, on aura l'occasion de prier encore pour vous. Et on va les entretiens privés. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, tu es béni, va t'asseoir. Un démon ne peut pas rester longtemps, résister. On ne peut pas rester. La puissance de Dieu délivre toujours. Le démon, il est qui? Qui est? Où est comme un malon? Mais derrière. À mon nom, vous chasserez les démons. Ça, c'est un petit chien qui fait ça? Non. C'est un petit chien qui fait ça? Non. Vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer. Amen. Je n'ai pas utilisé le nom de Crasso. Vous pouvez vous mettre sur le YouTube pour insister au prophète Crasso. Moi, je suis convaincu que je ne suis pas ni petit chien, ni un marabout, je suis l'Éternel. Et je vous dérange. Je dérange vos œufs. Je vais tous vous mater. Je vais vous mater au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas vous permettre de déranger la vie des hommes. Regardez comme une femme était esclave des démons qui contrôlait sa vie et qui créait une misère à sa famille. Et c'est ça le problème. Quand quelqu'un, un monde, un couple, quelqu'un est sous le contrôle, ça influe, ça influe. Tout le monde, ça fait tout le monde. Amen. Amen.
miracle de Jésus. Le souvenir. Aidez-la. 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 La puissance de Dieu. Allez, va. Marche. Vas-y. Vite. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez. Rapidement, dépêche-toi. Allez. Plus fort, rapidement, allez, va. Vas-y, 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 plus fort. Reviens. Chaque fois. Va t'asseoir. C'est pour toi que j'ai pris. C'est pour toi Qu'est-ce qui s'est passé? Elie, elle a gossé, elle a
c'est qui, mettez-moi. Laisse-la. Béki. Fais-moi un rabais, qui avancez. C'est ton problème de paralysie. Thank you.
l'expression qui commence comme un bébé. Vous a guéri. Vous allez voir les choses qui vont mener. Hey! Yeah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
vraiment, c'est du parti de son corps. C'est un arbre. Voilà. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Quitte son corps. Mettez-le. Va. Il n'y revient plus. Je sais pas. Eh bien, à genoux, qu'il se passe. Cette femme, tu as beaucoup d'argent. Je t'ai donné l'argent. Ouais. Alléluia. La sorcellerie a gâté, mais Dieu te met dans ça. Tu vas beaucoup réussir dans le domaine. Alléluia. Vous avez gâté ton argent, ça revient. Si. Enlevez le sac, enlevez la soupe. Regarde-moi. Comment tu t'appelles? Marie. Hein? Marie. Okay. Elle vivait sans son âme. C'est terrible. Mettez la main là-dessus. L'action particulière de Thank you.
Vous pouvez les vous mettre. Tout le monde met la main sur sa tête. Attention de fois. Parce qu'on a pris, je tiens tous ces mots. On a pris assez de temps. Vous êtes là-haut là, vous risquez de décoller la vitesse. Donc déposez la vitesse tranquillement à terre. Voilà, c'est mieux, voilà. C'est déjà plié, c'est déjà plié. Déposez. Quelque chose se passe dans ta vie ce matin. Cette nuit, la main de Dieu vient te faire du bien. La force de Dieu, la puissance de Dieu. Là où tu es, quelque chose en train de se passer. Les chaînes et la sorcellerie sont en train d'être brisées. Allez. Sont en train d'être brisées dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. La puissance est dans le nom de Jésus. Micro. Non, non, c'est bon. La puissance de Dieu. Je commande aux esprits. Je commande aux esprits. De libérer ce corps. Les démons vous lâchent. Au nom de Jésus. La sorcellerie vous lâche. Au nom de Jésus. L'esprit lâche vos finances. Je libère ta carrière au nom de Jésus. Je libère ta profession au nom de Jésus. Je libère ton mariage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La main de Dieu te touche la mouchière. Une ancien particulier en train de vous visiter. Quelque chose va se passer. Pendant que tu pries, regarde, la main de Dieu te guérit. Oh, puissance de Dieu. Comment Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus est guéri là où tu es. Quelque chose en train de se passer. Et la main de Dieu en train de te délivrer. Et là où tu es, les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes de la souffrance, les chaînes du temps. La main de Dieu te libère ce matin. La main de Dieu te libère cette nuit. Reçois. Allez, le feu. Dieu libère ton ventre. 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 L'amitié. Reçois le miracle de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Je prie que tu es là. Dieu te bénit. Le Seigneur te bénit. Maintenant même. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le miracle de Jésus. Reçois ta délivrance. Je libère ton argent. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Je libère tes finances. Je libère tes finances. Je libère tes finances. La main de Dieu vous touche. La main de Dieu vous délivre. La routière. Maintenant même. Reçois. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Recevez le miracle de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Recevez le miracle de Dieu. La main de Dieu te guérit. Maintenant, man, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Dieu te libère. Maintenant, Dieu te libère. Reçois cette onction. La puissance de Dieu. Yes, yes. La puissance de Dieu vous délivre. La puissance de Dieu vous libère maintenant. Allez, je vais parler aux démons. Et les démons vous lâchent maintenant. Vous lâchent maintenant dans le nom de Jésus. Vous lâchent maintenant au nom de Jésus. Dieu envoie une onction particulière sur toi. Pendant que tes mains sont posées à ta tête, Dieu envoie cette onction. Vous brisez les chaînes de l'esclavage spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Là où tu es, reçois ton
miracle. Reçois-la au nom de Jésus. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu te le restitue. Dieu restitue ton mariage. Hey, puissance de Dieu. Dieu restitue ton mariage. Il restitue ton enfantement. Au nom de Jésus, recevez le miracle de Jésus. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je te dis, tu ne le rends pas. C'est fini. Ils ont tiré sur toi en sorcellerie. Ça fait 2 semaines. Écoute-moi très bien. Voilà. La puissance de Dieu vient te délivrer quand tu bouges. La puissance de Dieu vient te libérer. La puissance de Dieu te libère. Maintenant, même, souviens-vous de ta caméra quand tu marches. La puissance. Hey! Jésus te libère là-bas. Où tu es? Reçois le miracle de Jésus. Recevez le miracle. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Vous les libérez. Sous l'ordre du Saint-Esprit. Sous l'ordre du Saint-Esprit. Vous les libérez. Vous les libérez. Au nom de Jésus. Vous les libérez. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus. Je te libère. Jésus, te libère. Jésus, te libère. Recevez la délivrance ce soir. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le miracle. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. La lumière. Oui, priez. Vous ne pouvez pas vous faire. Lâche-le. Tu vas le lâcher. Vas-y, toi. Hey, come on, hey. Lâche-le. Oui, lâche-le. Oui, lâche-le. Lâche-le.
Lâche-le. Lâche-le. Oui. Libère-le. Ah, non. Si. Non. Qui es-tu? Ah, qui es-tu? Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Je vis. Hein? Je vis dans ce corps. Tu vis dans son corps? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Oh, c'est finance! Ça, c'est finance. Oh, je suis tout assis. Aïe! Tu as détruit tes finances. Aïe! Tu as détruit ses finances. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas pu tuer. Hein? J'ai pas pu tuer. Qui es-tu? Oh! Qui es-tu? Ah! Oui, qui es-tu? Papa. Toi qui n'as pas pu le tuer, qui es-tu? Ah! On me l'a donné, on me l'a confié. Qui te l'a confié? Oh! Qui? Oh, le village. Ah! Quel village? Oh! Quel village? À Kakou. À Kakou. Dans quel pays? Côte d'Ivoire. Parce qu'il devait devenir quoi, le monsieur? Oh! Qu'est-ce qu'il devait devenir? Ah! Qu'est-ce qu'il devait devenir, ce monsieur? Le grand animateur de la télé. De la, de la télé. Radio. Hein. Oh, oh. Et vous l'avez détruit. Oh, on a tout pris. On a tout pris. On a tout enterré. On a tout pris. On a assis. On a tout assis. Oh, il est pauvre. 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 Il a tout détruit son mariage aussi. Ah oui, c'est moi Lucifer, c'est moi le patron, c'est moi le patron. Ben, écoute-moi, tu vas partir. Non, non, non. Mets-toi comme ça, tu m'entends. C'est moi, cadreur, soulève. C'est moi Lucifer, je suis Lucifer. Fini à filmer. Et personne ne peut me déranger. Ah bon? Je suis Lucifer. Je suis Lucifer. Que Jésus a vaincu là. Ah, Lucifer a été vaincu. Je le connais, Jésus. Je connais Jésus. Ouais. Il est ton maître. Ah, ah. Mets-toi genoux, allez. Tu parles de Jésus avec arrogance. Mets-toi genoux, allez. Mets-toi genoux, allez. Au nom de Jésus. Non, laissez. On fait devant Dieu, c'est moi qui fais le combat. Mets ton genou. Ah! Si, mets ton genou. Pourquoi tu te mets de mettre? Mets ton genou. On acclame Jésus-Christ. Amen. Et ceci, tu vas parler de Jésus avec arrogance. Mon Jésus qui est mort la croix. Amen. C'est comme ça, tu vas parler de Jésus. Tu le connais comment? Jésus est le sauveur, il n'est pas un plaisantin. Voilà. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Je lui ai mis une maladie. Tu pars avec tout ce que tu as mis. Je lui ai donné la prostate. Va avec. Je lui ai donné la prostate. Va avec. Va avec. Non. Si. Non. Si. Tu pars avec. C'est un homme. Oh. Mais là, il va me faire partir. Mais... Ah. Ah. Oh, ils vont me tuer au village. Je viens, je dis, ferme ta gueule. Ferme cette sale gueule et puis tu dégages. Prostate ou pas prostate, prends et pars avec. Allez. Si tu meurs, ils m'en fout de ça. Allez, va. Quitte ce corps. Voilà. Quitte-le. Application téléphone. Pardon. Quitte-le. Voilà. Allez! Pourquoi vous faites ça? Regardez-lui. Oh, il y a longtemps qu'on est dedans. Allez, quitte, dégage, allez! C'est notre. Dans la vie de quelqu'un, tu le détruis, tu dis à l'enfant est dedans. Tu as fait quoi? Tu l'as fait, tu l'as un peu aidé. Pourquoi il est parti en France? Il n'a pas construit ma maison. Pourquoi? Dans toi, t'es qui? Ah, je suis son oncle. Comment tu t'appelles? Melek! Melek quoi?
Il est obligé de prendre ta main, s'attacher, mais il a besoin de l'obliger. C'est une obligation. En France, là, ça a dit qu'il y a argent dans l'arbre. Il est riche. Il devrait être riche. Mais tu l'as pour. Même s'il n'a pas construit. On a tout pris. Il a tout pris. Tout. 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 C'est moi le maître. C'est moi qui ai organisé. Sans souffrant, c'est moi. Sans souffrant, c'est moi. Sans souffrant, c'est moi. L'argent disparaît. Ah, l'argent, il a, ça disparaît. L'argent, il a, ça disparaît. Vous comprenez, c'est moi. Je vois votre argent, c'est lui que les esprits sont derrière. Dégage, on a trop écouté le cinéma. Dégage. Allez, fais. C'est pas bon. C'est un cadreur. Le cadre tout. Tu vas, je t'envoie dans une tente. Mère. Aïe, vous les chasser. Tu quittes ce corps-là. Tu n'es pas dans ton poids là, c'est pas pour ta vie. La mort, c'est toi là-bas. Ne me tue pas. Ah bon? On peut trouver un arrangement. Le diable veut avoir un arrangement. Mais l'arrangement avec qui? Avec qui tu veux faire l'arrangement? L'affaire de Dieu, avec le business dedans. Mon ami, il faut dégager et dégager. Vous voulez faire quel arrangement? C'est que. Hein? C'est que. Ouais, c'est que quoi? C'est que. Hein? Laissez-moi quelque chose. Hein? Quelque chose pour vous. Ouais, t'es laissé, t'as le tuer. Oui! Oh, comment tu sais? Comment t'as deviné? Comment tu sais? Comment t'as deviné? Vous êtes malin. Je suis un malin. C'est pour ça longtemps que je suis dans son corps. Parce que je suis un malin. On lui a fait des délivrances. Ils n'ont jamais réussi à me délocher. C'est pas trop, je dis. Il a payé un billet d'avion. Il est venu en Côte d'Ivoire vous le rencontrer. Je suis bloqué. Je l'ai bloqué. Maintenant, on va faire souffrir. Putain, oui. Tout ton territoire. Comment vous avez fait pour venir ici, vous? Comment vous vous êtes arrangé pour venir le délivrer? Mon patron, il est fort. Celui qui j'ai pris, il est fort. Bon, toi, quitte son corps. Madame, quitte son corps. On a beaucoup à faire. Allez, dégage nos habits. Dégage les habits. Je vais partir. Voilà, va-t'en. Je vais partir. Moi, je te laisser 4, 5 jours, tu vas le manger après. Mario! C'est qui Marie? Sa cousine. Elle a fait quoi? C'est la secrétaire de la conférence. Ah, il y a secrétaire là-bas. Elle, je lui ai donné des indications. Elle est partie mettre des caméras partout. Dans la maison de son frère, son petit frère, à Yopougon. Et on voit tout ce qu'il fait. Ah, d'accord. Et lui, il est parti en Côte d'Ivoire, on l'a raté. Oh, on l'a bloqué. Mais il est revenu. Ah, parce qu'il a amené l'église. Oh, on voulait le bloquer là-bas, il était parti. Pour moi, il est resté là. C'est moi, Mélèche, c'est moi. C'est moi, ce Lucifer. Ah ouais, bon. Je suis le plus fort. Qui te servit? Oh oui. Tu m'entends? Ah, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Ah, Jésus est fort. Oui. C'est ça que je le sais. Moi, je passe servi Jésus. Moi, ça brûle de partout. Voilà. Le feu sur toi.
Laisse le prophète sur le bon front. Priez moi l'esprit. Tu pars maintenant. Va-t'en. Je passe par où? Je passe par où? Viens passer. Je passe par où? Arrange-toi à trouver un endroit où passer. Je passe par où? Tu dois partir, point barre. Je passe par toi, monsieur. Je passe par malade ou bien, tu dois passer par quelqu'un. Il va te dire, il passe par moi. Passe ailleurs. Non, je vais donner la route, tu vas continuer. Passe là-bas. Tu passes où? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Non, il n'a pas dit va passer par où. Il dit il va passer par où. Non, il cherche sa route. Tu cherches la route. Je ne pas douche, douche. Soyez mille. Oui. Que vous soyez mille, tout ça, dégagez. Je m'en fous du tout. Voilà ça. Allez-y. C'est fini, il est délivré. Alléluia. C'est fini. Ton calvaire vient de prendre fin. Lève-toi. Lève-toi. Ça va? Comment tu t'appelles? John. Hein? John. J'ai délivré, c'est fini. Amen. John. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Allez, John. On vit les temps de recevoir.